Hey, salutations voyageurs et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Endless Space de Awakening, la voie des étoiles. Alors, écoutez, c'est peut-être le dernier épisode, on ne sait pas. Il est possible qu'on perde à tout moment. On a des révoltes partout, c'est la fête. Ici, alors on est alliés donc je vais rien dire. Il y a des révoltes partout dans notre empire. Là par contre on n'est pas alliés du tout. Donc je suis désolé, mais toi... Je t'explose, gentiment. On peut pas se permettre de te laisser ici. Alors ici on n'a rien à faire dans ce système. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a quelque chose d'intéressant? On pourrait faire un mastodonte. Mastodonte économique. Je sais pas trop à quoi ça nous servirait. Et mastodonte militaire. Une grosse puissance de feu, mais très peu de défense. C'est assez étrange. Donc très faible au niveau défensif. Sinon, bah tout simplement, on fait en sorte que ici le bonheur soit meilleur. Plus 15 sur système. Ouais. Ouais. Enfin, on a besoin de brume aussi, mais bon. Y a pas... Là, il y a de la surpopulation partout ici. Bon, bah écoutez, on va faire ça pendant quelques tours. Je l'enlèverai, si j'y pense. Bah, ils vont se révolter. Ah là là, des révoltes partout. Ah oui, alors ici sur Cancer. Eux par contre vont se révolter également. Est-ce que c'est une amélioration? Ouais, deux systèmes. Ça prend trois tours. Malheureusement, il risque de se révolter avant et ça m'embête un peu. Bon, il y a des révoltes partout. Est-ce qu'on peut pas séduire ou faire quelque chose? On peut réprimer. Le temps de faire ça, on va réprimer, hein, tant pis. Le temps de faire ça, ouais. Ah là 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 là. Ici aussi, du coup, on va réprimer. Là, il n'y a pas vraiment de plan. En fait, je veux juste gagner du temps pour voir si j'arrive à faire en sorte d'atteindre les systèmes que je voulais atteindre et de gagner. Allez, on réprime. Vous n'êtes pas content. De toute façon, c'est reculer pour mieux sauter là, hein, à ce niveau-là. Ici, est-ce qu'on a des choses intéressantes? Là, il y a la loterie qui arrive. Et ça, ah, ça tiendra peut-être si on séduit. Voilà. Sacrifier une population. Enfin, un truc pour. Pendant 10 tours. Sacrifier un gardien. Ouais. C'est pas franchement la solution idéale, hein. Je ne sais pas pourquoi ils sont tous énervés comme ça. Ici, on doit les éclater. Oh, ça va arriver. Est-ce qu'on avait d'autres choses qui étaient urgentes à faire sur ce tour? Oh là là, ici, ouais.
Ici, c'est... Ça va aussi faire mal. On va réprimer, tant pis. À fond, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. 9, 6, 4. Bon, on va gérer au tour suivant. 5. Ouais, bon. Ah, système oisif Asinus. Lui va se révolter aussi. Alors, on va faire ça ici, Asinus. Tant pis, ça va pousser les pacifistes. Hein. Mais de toute façon, maintenant, je pense plus qu'on ait le temps de faire la guerre. Donc, on va plus faire la guerre. Donc, après, c'est pas grave si les pacifistes prennent le pouvoir. Ça a pas l'air de, pour l'instant, de changer grand chose. Ah ouais, c'était pas les pacifistes, en plus c'était écologiste. D'accord, 100% écologiste. Ça c'est drôle. Adana. Alors Adana, on va séduire, voilà. Et on va aussi faire grimper les écologistes. Tant pis. C'était pas les pacifistes, c'était les écologistes, donc du coup ça change pas grand chose au niveau de la guerre. On peut continuer de faire la guerre si ça nous fait plaisir, mais ça sera pas notre cas. Toi, tu peux rien faire pour l'approbation là, dans ton système, ça serait bien. Asinus, bah voilà, par exemple. Ça c'est bien. Plus 10 d'approbation, ça devrait aller mieux du coup, Asinus, non? 13% révolté. Ouais. Oui, ça va beaucoup mieux. Oui. Ça met combien de temps à agir ce truc-là? Après le premier tour. Ok. Bataille à Xacor. Ah bon, on se bat contre eux? C'est où déjà? Ici? Et pourquoi est-ce qu'on se bat contre eux? Ah, c'est eux qui ont demandé le combat? Ah, vous êtes fous les gars, pourquoi vous avez demandé le combat? Ah ouais, mais... À vrai dire, non. Non, j'ai presque même envie de vous envahir, mais je peux pas parce qu'on n'est pas en guerre, c'est ça? Si je les attaque, on passe en... Bah, ça serait peut-être une solution, remarquez. Les attaquer, eux, récupérer leur système et gagner. Il y en a deux ici. J'ai deux systèmes. Alors, je vais pas le faire tout de suite. On va pas se mettre en orbite de... Là, on va retourner par ici. Ouais, ça peut être une solution d'aller les attaquer pour gagner. Voilà, on est en train de se faire manger par contre. Ce système là. On va se faire manger ce système là, soit par les sauts-fonds et derrière ils sont... Ouais, est-ce que tu perds ce système? Ça c'est pas cool. À moins d'aller le prendre, mais si on le prend, c'est les sauts-fonds qui prendront le système quoi qu'il arrive. La flotte de pirates, il va falloir qu'on l'éclate. Est-ce qu'on a le temps de faire autre chose avec toutes ces révoltes là? Voilà, révolte dans 9 tours, ok, ok. 8, 4 tours. 8, 8, 5, 3. Il n'y a pas de choses urgentes, genre au prochain tour, boum.
Non, ça a l'air d'aller. Alors maintenant qu'ils sont dans une alliance, on peut plus les attaquer, hein, les sauf-fonds. Je peux augmenter la pression sur leur empire. Ouais, j'accepte pour l'instant. Parce qu'en fait, j'ai demandé à ce qu'il soit retiré, donc tout va bien. Ici, on va mettre cela. Non. Si, celui-là avec celui-là. On fusionne. Et qu'est-ce que vous allez tous faire à Andromède? Honnêtement, je sais pas, mais j'aime pas trop ça, donc on va demander à ce que vous alliez voir par ici ce qui s'y passe. Ok, bon, il n'y a rien d'urgent. On va passer au tour suivant. Révolte imminente sur Cancer. Alors, sur Cancer, effectivement, deux tours. Ouais, alors deux minutes les révoltes. Hein. Et voilà, l'anarchie a commencé. Bon, ça va pas faire grand chose, hélas, ça suffira pas. On va devoir réprimer la révolte. Voilà. Alors sur Ati. Ati c'est où? C'est par ici je crois. At, c'était pas Ati, c'était At. Alors on va aussi devoir réprimer. Hop là. Heureusement qu'on a cette solution. Parce qu'on a beaucoup de main d'œuvre. Ici on peut pas laisser ce vaisseau là en orbite. Ok, la détruit. La révolte sur Cancer, c'est bon, s'en occuper. La file de construction, continue de construire ici. Ça marche. Ouais, on n'a pas les moyens de lui dire de se barrer. Est-ce qu'on a lancé une colonisation? On n'a pas lancé la colonisation ici. Hop, on va la lancer. Il faut qu'on colonise tout ce qu'on peut en fait, hein, tout simplement. Les autres c'est lancé je crois. Ok, alors ici on doit pouvoir... Ah oui, il faut encore qu'on arrive en orbite et après on va pouvoir tabasser les pirates avant que ça nous pose un problème. Mes vaisseaux colons, ils sont où? Ils sont là je crois. Ouais. D'accord. Ok, bon, bah ça voyage. J'espère juste qu'on aura le temps de faire tout ça, parce que là, le temps qu'il voyage. Allez, à Zinus. Mais Zinus, on était déjà en train d'essayer d'augmenter le bonheur. Franchement, vous nous embêtez. Hein. À Esh, ouais. À Jundur, ouais. Oui.
Ouais, remporter la bataille au système d'une dure, bah. D'accord. Ça, je peux pas le faire, pourquoi? Je peux plus le faire. Ok. Faut pas séduire. Voilà. Reculer pour mieux sauter. Tour maintenant. Ah là 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 là. Assirès, on peut pas séduire non plus, on va attendre, tant pis. Ici ça va. 9 tours, 3 tours. 7 tours, 6 tours, 2 tours. Là, c'est plutôt gênant. On va réprimer un petit coup. Histoire de gagner un tout petit poil de temps. Ici, on n'a pas une colonisation lancée. Non, si, elle est lancée. Ok. Bah là, franchement, j'arrivais quoi. Ils l'ont fait eux-mêmes alors que j'arrivais sur la planète. Enfin, dans le système. Moi, je vous avais rien demandé, les gars. Par contre, est-ce que c'est pas eux, en étant en orbite, qui font le bazar? J'en sais rien. Je ne sais pas. Il y a un troisième système à prendre ici. Il nous en faudrait juste après un quatrième et... On aurait peut-être gagné. Alors est-ce qu'il y a un système qu'on peut prendre? Il y a celui-ci, 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 ça en fait 3. Et malheureusement, c'est tout. À moins après d'aller déclarer la guerre à eux. Aux prédateurs et de prendre leur système et là on est bon. Défense 85 d'infanterie, ouais. C'est pas très élevé ici. 125. Peut-être se positionner avec nos flottes du coup et faire ça. J'avais pas envoyé de flotte à Jundur. Bon. Alors, toi, t'arrives. T'as combien de puissance de... Ouais, bon. Tu vas aller là. Toi, tu vas là. On va le faire. On va attaquer nos anciens copains. Bataille à Gistrad. Ah bah voilà. Pirates, on va les éclater. Dommage, c'était des vaisseaux à nous. Hein. Après les révoltes, je peux les laisser. Hein. Ça fait comme ça. Bon, après il faut toujours revenir pour enlever les pirates, mais Gistrad, du coup, ça l'a pas un peu calmé. Ce système-là, il n'était pas plus calme sans les. Regardez, il est plus révolté, Gistrad, au final. Ah si, quand même. C'est juste qu'on a dû le séduire ou quelque chose comme ça. Ok, bon. On fait comme ça, on essaye. Allez. Là, on va avoir des révoltes. Révolte, attention, révolte, révolte, révolte. Voilà, sur Cérès.
sur Galtur, sur Lyra. Alors sur Cérès, on peut séduire. Sur Galtur, on peut séduire aussi. À Esh, bon ben c'est de nouveau l'anarchie. Sur Lyra, on peut pas séduire, donc il va falloir qu'on réprime. Voilà, je suis désolé. On peut pas se permettre de faire la fête avec vous les gars. T'es parti où toi? Ah d'accord, tu fais comme ça, ok. Ouh là, il y a du monde en orbite là, mais c'est d'accord, c'est l'académie. Logiquement, il ne devrait pas nous embêter. Si on attaque ce système-là, il ne devrait pas intervenir. Ok. Alors. Sur Cérès, on a vu. Ici, pas de problème. Population perdue, ouais. Gain de population des sauts fonds, bah non, c'est pas cool ça. Ah ah! Ok, il y a un système, ouais, parfait. C'est chez nous ça, les régénérateurs, c'est nous. On est à 8 sur 9, donc il en reste plus qu'un. Ok, bon, on fait le tour suivant. Puissance de l'académie augmentée. L'anarchie a commencé, bah oui. République. Ok, on est passé en guerre froide avec eux. Gouvernement. The Sophonity nervous. What are you up to? I would rather send you an arrow than this reply. Her Majesty is showing her generosity. Accept it. Your actions threaten the hive, but we feel no fear. Oh non, mais on va t'aider tout à l'heure. On va t'aider, t'inquiète pas, on va t'aider d'une façon ou d'une autre, tu vas voir. Je pense que c'est notre seule façon de gagner, c'est d'aller t'aider à notre façon, comme on l'a toujours fait jusqu'à maintenant. T'aider à notre manière. Ah, par contre, là, c'est pas cool. Ils ont des vues sur ce système aussi? Ok, si je prends toi, on va peut-être y aller lui faire la guerre. Ça l'empêchera de rejoindre une alliance. On va aller dans la diplomatie.
Est-ce qu'on peut pas demander à rejoindre leur alliance? Ce serait trop utile. Alors, les décrets. Demande d'alliance. Ah, cette alliance a atteint sa capacité maximale, donc on peut pas. On peut leur demander la paix, mais ils seraient contre. Donc, ok, bon, tant pis, j'aurais essayé. Par contre, avec eux... You are a pest. We know how to deal with pests. Je sais pas ce qu'il a dit, mais j'aime pas ça. On lui déclare la guerre. Et on fait ce qu'on a à faire. Her Majesty requests the honor of slapping your face. Ouais. Ok, on va faire ça. Bah voilà, c'est fait. La guerre est déclarée. Donc ici, on va faire une invasion propre. On peut pas. Pourquoi? Le système est protégé. À cause d'eux, là? C'est une blague? Ok, c'est une blague. Ils se moquent de moi. Très bien, bah on va aller là. Ça, le système sera pas protégé ici. Puisque tu veux faire le malin. Ouais. Bon, on essaie, hein, par tous les moyens de gagner. Il me faut une troisième flotte. Et toi, tu vas venir par là. Ce système est pas révolté encore, mais ça ne saurait tarder. Il me faut une autre flotte pour venir ici. Voilà. Ok. Bon, on est en route. On essaie un truc. Je sais pas si ça fonctionnera. Mais on essaie. Il y a toujours nos révoltes en cours. Tant pis, c'est pas grave. Et... Qu'est-ce qu'elle fait là, cette flotte-là? Ah oui, d'accord. Et voilà, on va essayer d'attaquer les Nakalim. Et d'attaquer ensuite... Ça, si on y arrive, bon bah normalement on devrait avoir assez de système pour gagner parce que je crois que la victoire de conquête 24 sur les 28 systèmes nécessaires. Ok, on est toujours deuxième donc faut faire ça peut être n'importe quand. Donc voilà, si on y arrive, bah on gagne. Si on n'y arrive pas, eh bien il y a de fortes chances que ce soit perdu parce qu'on n'aura pas le temps de faire mieux. Alors ici peut-être, est-ce qu'on peut pas, ah oui non ce sont nos colons, d'accord, ce sont que nos colons ici, bon j'ai rien dit, ils sont déjà fort occupés et ils vont pas très vite, voilà regardez le temps qu'ils mettent, ah ouais, c'est parce qu'ils passent à travers des, ouais ok, ça va mettre longtemps. Toi, tu devrais aller là, en fait. Toi, tu devrais aller... Bah, c'est déjà ta route. Et toi... Tu devrais aller ici. Et normalement, il y a un autre vaisseau colon qui est parti, lui... Je l'ai envoyé ici, d'accord. Ou alors ici, peut-être. Ça ira peut-être plus vite. Voyons voir. Non, bah non, de toute façon, il est parti pour sa destination. Donc, on ne peut pas le changer. Ok, bon, écoutez, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que celui-ci vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des likes sur les vidéos.
Passez faire un petit tour sur le Discord, sur la page Tipeee pour les petites publicités. Ça prend franchement, allez, même pas 3-4 minutes de regarder les deux publicités par jour. Et puis, ça fait quelques centimes de plus pour moi pour acheter des DLC ou des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas, ça serait très gentil. Et puis moi je vous dis rendez-vous très bientôt pour la suite de ce let's play. Salut à tous !